Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de Star 21 TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité de ce soir, l'opposition a tenu ce samedi son assemblée générale hebdomadaire, une occasion pour les responsables de l'UFDG de dénoncer la gouvernance du président Alpha Condé. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis, l'ONG Impact pour une nouvelle Guinée a dénoncé également la mauvaise gestion de la Guinée par les différents régimes qui se sont succédés. Vous entendrez ses membres dans cette édition d'information. Une courte pause, puis la suite de ce journal. À tous, bonsoir et bienvenue. En bref, pour commencer, le gouvernement guinéen rejette en bloc le rapport que vient de publier Amnesty International intitulé « Marcher pour mourir ». La note met en évidence la responsabilité des forces de l'ordre dans la répression des manifestations qui a occasionné la mort d'au moins 50 opposants Conakry en province depuis le début de l'année 2020. Nous y reviendrons sur cette actualité dans notre prochaine édition d'information. On vous le disait, au sommaire, l'Union des forces démocratiques de Guinée a organisé son assemblée hebdomadaire ce samedi 3 octobre 2020 à Conakry. Une occasion pour des responsables de l'UFDG de dénoncer la mauvaise gouvernance du régime de Conakry. C'est un reportage de Mohamed Traoré et de Ibrahima Paye Kamara. C'est dans une ambiance bon enfant que le principal parti de l'opposition a tenu son assemblée hebdomadaire ce samedi 3 octobre 2020 à son siège situé à Komandanya dans la commune de Dixine. Cette rencontre a été présidée par l'un des vice-présidents de l'UFDG. Cette élection, ce n'est pas une élection entre M. Alpha Condé et les 11 candidats. C'est une élection entre M. Alpha Condé et le peuple de Guinée. C'est Alpha Condé d'un côté et le peuple de Guinée de l'autre côté. C'est important de le dire parce que je n'ai jamais vu dans ma vie un chef d'État aussi décrié. Personne ne veut de Alpha Condé. Personne ne veut de sa gouvernance. Celle va servir. Il va unir les Guinées. Quand je dis qu'il va servir, je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Tout le monde sait que le président Selou a la compétence de diriger un pays. C'est un homme connu, reconnu et respecté. Plusieurs militants et sympathisants se sont exprimés au cours de cette assemblée sur le bilan qu'ils qualifient de sombre du régime de Conakry. Je ne suis pas d'accord qu'il est ethnique, qu'il est ethno. Je ne suis pas d'accord qu'il se bat pour les peuples. Et là, Guisselou Dalengalo se bat pour tous les Guinéens. Je vous rassure. Vive l'UFDG! Vive l'UFDG! Et chers compatriotes guinéens et guinéennes, nous devons défendre la démocratie. Nous allons défendre la patrie. Nous allons défendre l'intérêt national. Vive la solidarité Gallo. Vive la jeunesse guinéenne. Et on n'a pas peur. La jeunesse n'a pas peur. La peur ne nous empêche pas de mourir. Elle nous empêche de vivre dans la liberté. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Je dis haut et fort. Aucun Guinéen n'est mieux que l'autre. Je vous remercie. Des responsables du parti ont mis l'occasion à profit pour demander aux militants de retirer leur carte d'électeur afin de voter pour leur champion le 18 octobre 2020. Également dans l'actualité nationale et guinéenne, célébré vendredi 2 octobre 2020, le 62e anniversaire de l'indépendance. Cependant, des organisations non gouvernementales ont célébré de leur manière le 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Yaye Oumoubari et Moustapha Diané étaient de la partie. Suivez. Ces jeunes leaders se sont donné rendez-vous au rond-point de Hamdallaï, situé dans la commune de Ratoma, pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance, arborant des t-shirts sur lesquels on peut lire « Guinée 62, les jeunes fêtent l'indépendance ». 2020, nous sommes en train de fêter Guinée 62. Donc c'est un immense plaisir d'être là pour magnifier le combat de nos martyrs, le combat de nos anciens, ceux qui se sont sacrifiés, pour que nous soyons libres et indépendants aujourd'hui en République de Guinée. C'est encore une fois vous dire que voilà
Ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. La Guinée est une famille. La Guinée est composée de 4 régions naturelles. Je dis bien composée, pas divisée. Composée de 4 régions naturelles. C'est comme les 4 roues d'une voiture. Quand il manque, et il en manque une, le véhicule ne peut pas bouger. C'est ça la Guinée. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est retrouver des jeunes qui organisent ce que l'État devait organiser. Ça, c'est une grande chose. C'est important d'encourager de telles initiatives. Et sachez que des jeunes comme Badra ne peuvent pas manquer de tels événements. Voilà pourquoi notre présence ici, et on est content d'être là. Ici, on ne retrouve pas de couleur. On est tous des Guinéens, Guinéens, Guinéens et Guinéens. Il n'y a pas de peuple de Malinké, de Soussou, de Kissi, de Guerzé. Il n'y a que Guinéens ici. Il faut qu'on soit fixé à ça, qu'on oublie l'ethnie, qu'on se dise que être Guinéen est plus important qu'être d'une ethnie. Des comédiens et humoristes ont pris part également à cette cérémonie de célébration de la fête du 62e anniversaire. Fêter 2 octobre avec les jeunes du VDP, c'est une belle initiative qui mérite d'être applaudie et accompagnée. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, depuis 59, 60, 61, 62 aujourd'hui, ils sont là, prêts à tout pour une seule chose qui s'appelle la Guinée. Parce que c'est la chose dont nous avons en commun. Et c'est pourquoi je suis très fier en tant que jeune, très fier de dire bravo à cette jeunesse appelée la voix du peuple. C'est un sentiment de joie. Parce que 62 ans d'indépendance, c'est quelque chose qui se fête vraiment. On commémore en fait la victoire de la Guinée. Et donc c'est quelque chose de très important pour nous les jeunes. C'est une manière de magnifier les pères fondateurs de notre nation, mais exprimer à l'opinion nationale et internationale qu'on est fier d'être souverain, qu'on est fier d'être une république et qu'on est capable de s'unir sans aucune coloration. Ce carnaval a connu également la présence des artistes guinéens qui ont fait une prestation. Parlant toujours de cette fête de l'indépendance, certains citoyens de Conakry se sont exprimés vendredi 2 octobre 2020 sur le 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Je vous propose de les écouter. Mon sentiment, d'abord, je dois saluer tous les Guinéens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit fêter. Tout le monde doit fêter à la Guinéenne. Aujourd'hui, c'est nous tous qui sont en fête. Aujourd'hui, l'affaire politique voulait diviser les Guinéens. On doit éviter ça. J'ai donné les mains, monter ensemble, descendre ensemble. Aujourd'hui, tout le monde doit prier pour que la Guinée aille en avant, pour ne pas qu'on se rétrograde maintenant en arrière. Aujourd'hui, c'est nous les jeunes qui doivent au moins pousser la Guinée être en avant, pas en arrière. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est pour saluer la Guinée, les Guinéennes. Je vais souhaiter bonne fête d'indépendance à tout le peuple de Guinée, à nos défenseurs, à ceux qui sont battus, qui ont libéré ce pays et l'Afrique en général. Et je dis bonne fête à tout le monde. Mes sentiments par rapport à la fête, c'est qu'après 62 ans d'indépendance, le résultat est décevant. Il faut se dire la vérité, ce n'est pas ce à quoi nos aînés sont battus. Ceux qui ont précursé l'indépendance dans nos différents pays, ils sont battus pour une cause, pour libérer l'Afrique et libérer la Guinée. Mais l'après-indépendance a été une désillusion pour tout le monde, en particulier pour la Guinée. Des fausses promesses, des incompréhensions, des guerres civiles un peu par là, le non-développement des pays. On a dit que le blanc était mauvais, le blanc est parti. Hein, qu'avons-nous fait pendant ces 62 ans d'indépendance? Regardez l'état du pays. C'est pas voulu avoir. C'est pas ce à quoi nous on prétendait. Mais aujourd'hui, malheureusement, disons la vérité, nos intellectuels nous ont trahis. Nos politiciens nous ont trahis. Ils ont manqué à leur devoir. Et il est temps que les gens se lèvent. On dise non. L'indépendance, on a dit que les blancs étaient mauvais. Et nous qui sommes venus après l'indépendance, qu'avons-nous fait? C'est pas joli à voir. Vraiment, mes sentiments, c'est que je suis déçu. C'est vrai qu'on est libre, mais c'est vrai qu'on est indépendant, mais vraiment, le développement a manqué. Et c'est pas joli à voir. La Guinée a tout pour être un grand pays dans le monde. On parle de bauxite, on parle de fer, on parle de pétrole, on parle de l'uranium, on parle de tout. Mais regardez l'état du pays, la population est pauvre.
On a gagné notre indépendance en Guinée. Massacre de vie. Tout le monde n'a qu'à regarder à lui-même. Il se aime à lui-même d'abord. Tu sais, avant de t'aimer à ton prochain, il faut t'aimer à toi-même. Si tu t'aimes à toi-même, tu vas t'aimer à ton prochain. Maintenant, ce que moi j'avais dit, tout le Guinéen, il faut regarder ton voisin. Comme l'exemple des Ivoiriens, des Sénégalais, des Bissagais, des Gambiens, des Léonais, des Nigériens. Vous aussi, vous restez comme eux, le Ghanéen. Nous aussi, on doit s'aimer. On s'aime à nous-mêmes. Si on s'aime à nous-mêmes, on va aimer tout le monde. On va se donner la trangue. On va être union. Regardez l'exemple à Sénégal. Sénégal, il n'y a rien à Sénégal sauf sable. Seulement, mais c'est la trangue, c'est union. Nous aussi, on doit s'aimer entre nous. On oublie l'ethnique. On ne peut pas dire forestier, peul, sous maningé. Non. T'es ni même, c'est ni même. On s'aime, on se reste union. On va faire dire. Wallahi ala ko wonta nga gere mo marge la fu yarbi ala ko gere mo ko o matara mo wama fe fayna ngoma la ginebe gere mo wama gere ko mo wama la ginan ngoma la yinga so la gine bire wama la ginan ngoma gade mo na warfe nde bara kala mo ge mo walde sto wal sese mo na la gine na bara mo tore len ma yat amo na fara mo na tan fara la gine gine bar toro mo bar toro ko ala mo bar toro yanjira wala mo na mo ga ga mo na warfe to tina fanaki mo gade nde fa mbar ge garande wala mo ne yira sese manga sanya ga mu mali mu gade ga walde soto mutan gine fe ga mu fam mali parce que la gine gine toro ga ilatima. On a fait notre choix à un temps historique. Ça a été vraiment quelque chose de très très sollicitable de la part des pères de l'indépendance, parce que l'indépendance n'est pas le fruit d'une seule personne, c'est le travail commun. Et nous souhaitons vivement faire notre fête de l'indépendance. Mais malheureusement, cette fois-ci, il y a une pandémie à travers le monde qui domine les activités, qui domine toutes choses à travers le monde à l'air là. Et notre indépendance, on a pris dans la joie, dans l'honneur et dans la fierté. Et je fais l'appel à tous les Guinéens de fêter la fête chez eux. C'était donc l'opinion des citoyens sur la fête de l'indépendance. Et puis l'ONG Impact pour une Nouvelle Guinée a animé une conférence de presse vendredi 2 octobre 2020 à la Maison commune des journalistes. Au cours de cette conférence, la structure a dénoncé la mauvaise gestion du pays par les régimes qui se sont succédés. Hassan Diaby et Ibrahim Khalil Silla nous en dit davantage. L'ONG Impact pour une Nouvelle Guinée était face à la presse vendredi 2 octobre 2020 à la Maison des journalistes à Kipé. Objectif, dénoncer les maux dont souffre la jeunesse guinéenne de 1958 à nos jours. Notre pays, la Guinée, a connu 26 ans de règne sans partage de pouvoir sous Sékou Touré, laissant ainsi plusieurs séquelles. Ensuite, 24 ans de règne sans partage par le régime du feu général Conté. La jeunesse guinéenne a mené des révolutions pour qu'un civil vienne au pouvoir afin d'instaurer la démocratie dans ce pays. Après 62 ans d'indépendance, voilà ce que devient la Guinée. Nous jeunes, aujourd'hui, sommes victimes de nous-mêmes, manipulables, vendus et à la solde des politiques. Pendant le régime précédent, nous avons vu des jeunes qui soutenaient des militaires à cause du matériel. Aujourd'hui encore, voilà des jeunes qui soutiennent un régime agonisant. Créé en 2020 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry par les jeunes soucieux de voir une Guinée émergente, l'ONG Impact pour une Nouvelle Guinée se dit outrée par les 10 ans de gestion du régime en place. Pour son président, le pays n'a connu que des promesses non réalisées par les autorités actuelles. 10 ans de misère, 10 ans de précarité, d'injustice à croissance exponentielle, 10 ans de désorientation d'une jeunesse en perte de repères, 10 ans de bradation de nos ressources minières et naturelles sans aucune retombée pour le pauvre peuple de Guinée. 10 ans de mensonges, 10 ans de trahison,
10 ans de fausses promesses dans tous les secteurs. 10 ans de non-humanisme où des pères de famille ont perdu leur dignité. Aujourd'hui, la Guinée est prise en otage par des gangsters et délinquants intellectuels. La Guinée est plus que divisée. Elle n'est plus ce véhicule à 4 roues initialement défini par le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, le tissu social est fortement fragilisé dû à la politique divisée pour régner instaurée par le système. L'ONG dénonce également la volonté du président Alpha Condé à se maintenir au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel. Pour elle, cette volonté freine la voie de la démocratisation en Guinée. Un mot de sport dans ce journal. La Ligue guinéenne de football professionnel prépare la saison 2020-2021 qui devrait démarrer dans le mois d'octobre. Le coup d'envoi de la première journée du championnat guinéen, il faut le dire, sera donné le 14 octobre 2020 au stade de la Mission à Kaloum. Et puis, du côté de l'Europe, l'UEFA a effectué le tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions européens jeudi 1er octobre 2020. C'est un commentaire de Mohamed Saliou Diallo. Sauf changement de dernière minute, le coup d'envoi de la saison sportive 2020-2021 du championnat guinéen sera donné le 14 octobre 2020, qui mettra aux prises l'ASK au Santoba FC au stade de la Mission de Kaloum. Tous les clubs de la Ligue 1 sont informés sur l'identité de leurs adversaires des 3 premières journées. Pour cette saison, aucun match de Ligue 1 ne se jouera sur terre battue. En Europe, pour la première fois dans l'histoire, 5 internationaux guinéens en liste pour la Ligue des champions européenne, la compétition la plus prestigieuse des clubs au monde. Un bel exploit pour les joueurs du Chili. Le groupe A est composé de Bayern Munich, Atlético Madrid, FC Salzbourg et Lokomotiv Moscou de François Kamano. Groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach de l'ex-capitaine guinéen Ibrahima Traoré. Groupe C, FC Porto, Manchester City, Olympiakos du Milieu Guinée Madi Camara et Marseille. Groupe D, Liverpool du seul détenteur de la Ligue des champions en Guinée Naby Keita, Ajax, Atlanta et FC Midtjylland de Sorikaba. Groupe E, FC Séville, Chelsea FC, FC Krasnodar et Rennes. Groupe F, Zenit FC, Dortmund, Lazio et Club Brugge. Groupe Z, Juventus, FC Barcelone, Dynamo Kiev et Ferenc Varsovie. Groupe H, PSG, Manchester United, RB Leipzig et Istanbul Başakşehir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information et merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Pour le dire, il y a 2 jours, 3 jours à la hauteur.
donc nous avons raï mon énorme indi voilà mes gars la paix du boy nous manquons l'indi alors que collègue voilà nous budgeting voilà c'est pour nous faire des lavis quoi angle lavis dire que voilà jamais on ne tente plus de vous cinq jours mais d'engol la la fesse jamais on ne songe la engol half it care jamais on ne bite half it care le bébé le jamais on la engol on ne songe jamais on mo la politique qui domine actuellement, donc on ne comprend rien, donc il y a un problème d'emploi, donc ça ne va pas en Guinée, donc il y a un problème politique aussi qui s'impose. Coronavirus qui nous domine aussi, qui a tout boycotté, donc maintenant, comme on avait les activités, donc on ne comprend rien. Donc ça ne va pas du tout quoi. Corona fait dans la motoro. Nabala mo activité brinati. Nala motoro jilari. E vitrier leri. Mo ana matra libra mangé don ole ne nyak bala dan. Ole tro en franga bra boy corona virus ko. O yaman vraiment bra la gna gatin toro bra sa anda na me. Nala sona beno ya. O ba boy politico yaman ni anya ben kangelino kala gna la wanya fe. Ole sa ba ri me ki disima gosi ko. Ne laissez qu'elle est là, au terre, ton entour là, j'aimerais en gros. Ne pas vous m'entendre dans le cas de cela. Il y a quelques minutes maintenant, la Guinée-Cono, vraiment ça ne va pas. Et bien, il faut qu'on ait un milliard de fois. Et tu bois la MB. Je suis père de famille, marié, de 5 enfants. Hein? Il y a un bon sang, il y a un bon sang. Quand on a un bon sang, il y a un bon sang. Et bien, si là, mon frère, d'abord, ça ne va pas. Hein? Habi man sama soro ni alfa ala le kaman saya dia mako ni so ndoma me abara kroya aya to do gore fana ina o fana ya mafene ndi aduma nye me alfa ti sele to ni ma soro la gine asi bana nye ba no ko minke abela ni kenema me wole na ndi mol toroni alfa na fina ko yiji nda deja man deja manda Oui, commandeur. Bon, déjà, madame, vous t'attendez quoi? Vous t'attendez, vous t'attendez, mais à la troisième mandat, vous t'attendez. Vous t'attendez, vous t'attendez. Parce que vous avez vu que l'enfant est en bas, vous t'attendez. Vous t'attendez. Vous t'attendez. Vous t'attendez. Vous t'attendez. L'enfant, je suis là, on a connu ce que vous avez. Vous le valez dans tout le monde, la Guinée-Couille. Parce que la Guinée-Couille, mouvement, opposition, et bien intérêt personnel. Vous comprenez, nous sommes là. Nous sommes là, la Guinée-Couille, nous la Guinée-Couille, nous sommes là, nous la Guinée-Couille, nous la Guinée-Couille, nous la Guinée-Couille, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes la Guinée-Couille, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes A queen a queen, but I'm here. And I'm a lassie in a yinad. In a way, Nambala, a kata, in a respect, and I'm a yabra kama. Mahana Mara, the way in Balato, Tinesi, I see by now, my vindi wanna yin a queen. Huh? Nancy Potter, Nancy Potter, and I go by, and then I don't know, and I've been a normal menu, but I comprehend. Mona la Guinea, say I'm we barri. Alpha Quande. Mon frère m'a dit, élection mona, mais troisième mandat na mona. Akata, arana t'en fait aiba. A pouvoir le pouvoir rawal kene no ma rawal di, a luné a pouvoir rawal. Wala ngana ma deuxième mandat, avant deux mandats ali, c'est pas possible maintenant de se présenter. An rien là on m'a couillé. Ané moula, on t'a musique toro mané. Na mugu toro ma. Tu no a fait que ta mara. Aïsalaya, il y a un peu de Coréa. Aïsala, il y a un peu de l'histoire. Mais il y a un peu de l'histoire. Voilà, on a un peu de l'histoire.